S'ils arrivent. Wesh. Wesh, ok. Gendarmerie, mettez vos mains en évidence, sortez du bâtiment. Wesh. Wesh. C'est eux. Wouah, les amis, à la gendarmerie. C'est eux, c'est eux. Wow, va falloir appeler des renforts, limite là. C'est quoi ce délire? Wesh, tiens, tout le monde tire. Y'a plein. Attends, je casse. Y'a plein. Attends, casse une barrière. Messieurs, sortez les mains en l'air. Ok. Et yo les potes, c'est Alcado. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Et dans cette vidéo les potes, on se retrouve pour le troisième épisode de Casa des Papettes dans Minecraft les amis. Donc vous avez été très nombreux à suivre la série. Vous êtes, les deux épisodes ont fait environ 100 000 vues. Du coup n'hésitez pas, continuez à suivre la série. Il y aura peut-être encore un épisode après. Du coup je sais pas comment ça va se dérouler, mais voilà, suivez bien les épisodes. Si vous avez pas vu les deux épisodes, les deux premiers, ils s'afficheront à la fin. Vous n'êtes pas obligé de les avoir vus pour comprendre cet épisode. Du coup voilà, n'hésitez pas à aller les voir à la fin de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner comme d'habitude les amis, et je vais vous expliquer le contexte en ce moment même, enfin ce qui se passe ici. Donc là les amis, je suis avec la voiture, j'ai déposé Oxymos et Twinner chez Oxymos. En fait Oxymos est rentré dans sa maison principale et là je suis de retour en ville, sauf que j'ai peur que du monde m'attende. Du coup ce que je vais faire, c'est que normalement je dois attendre Awariz qui devrait pas tarder à arriver. En fait je lui ai donné rendez-vous sur ce parking les amis, et en fait on va retourner chez moi. Je vais voir s'il y a rien, s'il va rien se passer de ouf et tout, s'il y a pas la police qui m'attend chez moi. Du coup restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir, je pense que ça va être super génial. Et vraiment je vous le dis, abonnez-vous, c'est très important. Voilà, likez la vidéo aussi si vous êtes content, et je vais donner un objectif de 7000 pouces bleus pour cette vidéo. Du coup let's go aux 7000 pouces bleus. Voilà les amis, sur ce on va attendre Awariz. Donc je sais pas du tout d'où il vient, tout simplement, donc c'est lui qui va conduire. On va essayer de rester plutôt discret. Je sais pas du tout où il est. Alors voyons voir, bon la voiture elle est là. Il est où? Au-dessus de ta tête. Mais tu fais quoi? Bah je fais le sniper. De quoi tu fais le sniper? Eh descends de là, je t'ai pas dit rendez-vous en haut. Ok les amis, bon Awariz, déjà il commence à faire l'imbécile, alors que ça se trouve il y a tout le monde qui nous attend, il y a toute la police qui nous attend, comment dire, bah chez moi. Donc on va, ça va? Salut. Ça va, bon, ça faisait longtemps depuis la dernière fois. Bon, on a continué les petites embrouilles et tout. Il y a Oxy et Twinner, bah ils sont restés chez Oxy, ouais. Donc peut-être qu'on les retrouvera dans un prochain épisode. Du coup, bah Awa, c'est toi qui conduis. On reste plutôt discret, tu ranges tes armes. Ok, Awariz, bon, vas-y, c'est parti, on va chez moi. Bon, c'est parti, est-ce que tu es prêt? Tu connais la route, alors les amis, c'est bon, on va voir où est-ce que... Enfin, on va aller à la maison et on va voir ce qui se passe chez moi à la maison. Donc, on va voir tout ça, les amis. C'est parti, donc comme vous pouvez voir, on est bientôt arrivé puisque là... What? Oh, c'est quoi ce bordel? Wow, là. T'as tout rangé là? Y'a rien qui craint tes poches? C'est quoi ce... J'ai rien. Ok, les potes. Attends, y'a un flic. Bonjour. Bonsoir. Arrêtez d'avancer comme ça, oui. Voyons. Oui. Bonsoir, messieurs. Vous allez avancer, vous allez me suivre, d'accord? Et vous allez vous mettre sur le bord d'à côté, là. D'accord, mettez-vous d'accord. Ici, sur le bord d'à côté. Oh, c'est la merde, les amis. Il y a un contrôle de poids. Vous pouvez faire un passage? Oui, je vais faire ça de suite, oui. J'enlève les plus hauts. Il y a un contrôle de police les amis juste avant d'arriver. Ouah, je sais pas comment ça va se dérouler. Du coup n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à rester jusqu'au bout de la vidéo. Allez, pour voir comment ça va se passer. Là on est mal les amis. Impeccable. Coupez le contact du véhicule. Okay. Alors attendez, je vais faire une petite marche arrière. Ok, attendez, je charge tout ça. Tac. Ok les amis, on va recharger les armes si jamais. Tire pas tout de suite. Ok les amis, bon on va se faire contrôler par la police. En plus on doit sortir. On doit sortir ou pas? Non, vous sortez pas pour l'instant, je jure les papiers du véhicule s'il vous plaît. Ok, tenez. Sors les papiers. Bon, les amis, on sort les papiers. Alors, Awariz, vas-y, donne-les. C'est moi, c'est bon. Ok, impeccable, je vais vérifier ça, vous restez ici, vous. D'accord, on bouge pas, Ok, les amis, bon, il y a un contrôle de police, il y a les voitures de police, ok. Ils ont l'air chaud. Ok, bon, les gars, préparez-vous, on sait jamais ce qui peut se passer là. Ouais, monsieur. Wow. Il se méfie. Ouais, ils ont l'air de se méfier. Ok, recharge tes armes. C'est ce que je pense. Recharge tes armes, Awariz. Ouais. T'as tout? On sort. Au cas où, si ça se passe mal, je sors. Ok, les gars, tout le monde vise là. Ok. Ils sont chauds. Ok. Tu sors de la voiture. Sortez du véhicule, les voitures à tête immédiatement là. Oui. Vas-y, tire.
Tiens, oh, attends. Ok. Il bouge trop. Ok, les amis. Ok, les amis, c'est trop tard. Ils nous ont chopé. Ok, les amis, on va essayer de. C'est quoi, les gars? Parlez-vous. Derrière le véhicule. Oh, les barricades. Ok, les amis, on va essayer de leur tirer. Derrière les barricades. Ok. Appelez les collègues. Chaud. Tire leur dessus. Vas-y, je tire. Ok, j'en ai buté un. Buté un aussi, je crois. Il en reste combien? Oui, ok, attends, j'ai plus de vie. GGN, besoin d'aide immédiatement là. Sur la position pour. Ils appellent le GGN. Ok, je recharge. Je passe à la. Je passe aux grenades. Vas-y, passe aux grenades. Grenade! Tac, vas-y, passe aux grenades. Tac. Les amis, c'est chaud là. Je mets des fumigènes. T'en as tué un? Je crois que j'en ai tué un, ouais. Vas-y. Je mets des fumigènes. Vas-y, les amis, on avance, on va essayer d'en tuer un autre là. Ok, y en a un qui est mort. Le dernier. Vas-y, bazooka. Ok, le dernier, on va tuer. Vas-y, je recharge. Bazooka, t'es prêt? Il est où? Vas-y, bazooka. Ils sont là. Ok, il est tombé, tire lui dessus. Vas-y, on va le finir, il est là. Ok, tu crois il est dans le mal? T'es cadeau, tire lui dessus. Ah. Vas-y, ah ok. Tire. Vas-y, on le termine, je vais le terminer. Il est quasiment mort. Vas-y. C'est bon, il est mort. Nickel, tu l'as. Prends la voiture. On part. Il est là-bas. On part vite. Tu prends la voiture, tu conduis. Je conduis. Ok, on va même pas chez nous. Tu prends. Tu vas dans le désert. Direct. Prends le désert. Okay. Il y a un trou. Il y a un trou. Ça passe. Tire sur les voitures. Attends. Non, vas-y, ça passe. Ok, les amis. Désert. Go. Ok, les amis. C'est bon, on continue, les amis. C'est parti. On a passé un barrage de police. Ils ont contacté le GIGN, les amis. C'est trop la merde. Là, c'est la merde. Vas-y, tourne. Tu tournes. Vas-y, va par là. On fonce. Tu prends l'autoroute. Tu t'en fous. Vas-y, t'inquiète. On va là-bas. On va par là-bas. Bon, les amis, on va s'enfuir. On va aller se cacher quelque part. Vas-y, continue tout droit. Ok, les potes. Bon. Dites-moi en commentaire comment ça va se passer, mais là il y a le GIGN, ils ont appelé le GIGN, je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas ce qui va se passer. Du coup les amis voilà, j'espère que ça va bien se passer, je sais pas s'il va y avoir un affrontement ou quoi. Tourne là, va là. Ok, vas-y. On va aller dans une des maisons là, ok, va dans la maison. Laquelle? Là, c'est là, garde-toi là, dans la... Attends, c'est là, ici. Attends, je vais cacher la voiture. Ici, tu te gardes là. Il y a un garage. Ouvre le garage, j'ai un garage. Les amis, on va. Mais je peux pas. T'as pas. Il est fermé, t'as pas le bazooka. Attends, je vais ouvrir. Ah si. Je tire dedans. On va se faire opérer, non? Bah, c'est pas grave. Ils sont pas là encore. Au pire, t'as une grenade ou quoi? T'as pas de grenade pour l'ouvrir calmement? Parce que là, c'est chaud. Si, j'ai fait une grenade. Vas-y, prends une grenade, tu l'ouvres avec la grenade. Vas-y, je vais voir si tu la voiture. Moi, je rentre, je regarde s'il y a quelqu'un dans la maison. Ok, vas-y. Bon, ça a l'air d'être un quartier un peu plus pauvre, les amis. Ok, je regarde s'il y a quelqu'un dedans. Grenade, ok, c'est bon, c'est lancé. Vas-y, ouvre. Ok, les amis, il y a personne dans la maison. Ok. Ok, je vérifie, je contrôle la maison, les amis. C'est parti, ok, il y a personne, c'est bon. Ok, je garde la voiture. Vas-y, garde la voiture, tu la caches dedans. La maison a l'air plutôt abandonnée. En vrai, plutôt. Ouais, la maison a l'air plutôt abandonnée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne dedans. Ok, il a mis la voiture dans le garage. Bon, les amis, on va voir ce qui va se passer. Alors, tac, c'est parti, les amis. Bon, on va se cacher là. Par contre, il va falloir qu'on barricade tout. Hein. Il va falloir qu'on barricade tout, les amis. On va trouver ce qu'il y a de. Enfin, ce qu'il y a, je pense, je vais faire une petite ellipse le temps qu'on barricade cette maison. Et on se retrouve dès qu'on a fini de barricader. A tout de suite. Ok les amis, on se retrouve donc là environ une heure après, un peu plus d'une heure les amis, on s'est caché. Du coup, je vous le répète, dans cette maison avec Awariz les amis. Donc là, on est caché dans la maison, on a tout barricadé. Regarde, on a tout barricadé, ouais. Voilà, on a tout barricadé les amis, il n'y avait pas de porte dans cette maison. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé, enfin regardez, vous voyez, on est dans le quartier. Donc on peut observer quand même si jamais il y a quelqu'un qui arrive. Je sais pas du tout comment ça va se passer les amis, vraiment. Voilà, la maison elle est plutôt abandonnée, il n'y avait pas de porte. On a mis de la brique, voilà, on a fait une sorte de vite fait un mur en brique. Voilà, on a tout barricadé. Ouais, mais à ton avis, c'est que si quelqu'un y vient, enfin s'il y a le raid ou GIGN ou d'autres, la gendarmerie, comment ils vont faire pour rentrer? Ils vont tout faire exploser, non? Ouais, et là, si c'est le GIGN, comme on voit dans les films ou quoi, et qui vient et qui rentre, qui pète tout, là ils vont utiliser la force, hein. Là, ils vont rentrer, ils vont exploser, hein. Les entrées, ils vont les exploser, hein. Et là, on va devoir se confronter à eux, hein. Mais là, je te dis un truc, Awariz, hein. S'ils arrivent. Wesh, ok, Gendarmerie, mettez vos mains en évidence, sortez du bâtiment! Wesh. C'est eux. Wouah, les amis, il y a la gendarmerie! C'est eux. Wouah, va falloir appeler des renforts, limite là.
C'est quoi ce délire? Tout le monde tire. Y'a plein. Attends, de... je casse. Y'a plein. Attends, de... casse une barrière. Messieurs, sortez les mains en l'air. Ok, on se... si jamais il se passe un truc, on se rend. Ok, ou on prend la fuite, mais sinon on se rend. Ok, je vais derrière. On prend la. Okay. Oh, il va derrière. C'est bien reçu. On est coincé. T'es en train de prendre du spawn, je suis arrivé sur la zone de impact. Terminé. Ok, terminé. Messieurs, ouvrez la porte. Putain, en fait, y'a pas de porte, c'est quoi ces conneries? On se cache. Non, vrai, si ça pète dans les côtés, on va se faire tuer. Regardez aux fenêtres, les gars, regardez aux fenêtres. Je regarde. Y'a quelqu'un! Oh, y'a une autre. Tout le monde recule! Ils t'ont vu! Monsieur, on va péter la porte dans 3 secondes! 3! Cache-toi ici, viens vers moi, viens vers moi! Quelle porte? Attention! La porte d'entrée! Grenade! Ouais! Ok, vous rentrez! Attends! Ok, deuxième zone d'impact! 3, 2, 1! Les gars, reculez! J'ai plus de balles de 10 kills. Attends. À mon avis. Ah si, attends. Tac. À mon avis, ils font pas loin. Ok, ça va, il lance que des grenades, il lance pas encore, oui, lance des grenades. Mais des fumigènes. Oh, wow. Ok, fais attention. Y'a un gars, il nous a pas vu. Ok. Les amis, y'en a un derrière en plus. Allez les gars, on va tous rentrer dans 3, 2, 1, go! Ok, je suis dans la salle de bain. On s'enfuit par la salle. Ok. C'est quoi? Ouais, attends, casse ça, tire. Les mains en l'air! Tout le monde les mains en l'air! Attends, personne ne bouge! Ok. Waouh. Ok, messieurs, vous. Allez, rentrez vos armes là. Jetez vos armes par terre immédiatement, messieurs. Oui. Sécurisez les environs. Ok. Ouah, les ok, amis. Alors, monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour les faits suivants qui sont reprochés: braquage de banque à multiples reprises et otage et main armée. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous, messieurs? Oui. Non. Ok. Non, mais de toute façon, même si non. Vous êtes pas d'accord, c'est pas grave. Messieurs, tout le monde contre le mur là, je vous ouvre les mains derrière le dos. Immédiatement. Ouais, okay, c'est parti. Ouah, les amis, okay. C'est chaud là. On vient de se faire arrêter par le GIGN. Bon, je pense que c'en est terminé pour nous, les potes. Okay, c'est bon. Allez, tout le monde va prendre une voiture, les gars. Tout le monde en prend un par voiture. Okay. C'est-à-dire qu'il y a personne qui se ramène ou quoi. Tac. Mets les armes en dessous. Wouah, les potes, monsieur. On s'est fait. Ok. On s'est fait choper par le GIGN, les amis. C'est quoi? Wouah, ils sont arrivés avec des voitures. Ok, bon. Chacun dans une voiture, du coup. Ouais. Okay. Je peux conduire la voiture, moi? Non. Bon, j'ai permis d'avoir un avocat. Okay. Vas-y, okay. Rendre la voiture pour jouer. On verra ça au commissaire et au poste. Hein. Bon, du coup, vas-y. Ok, on y va, messieurs. Ok. Oh, les amis, c'est quoi ce délire? On est chacun dans une voiture, on est avec le GIGN, regardez-moi ça. Oh, wow, y a 4 voitures, les amis. Bon, on s'est fait choper. Là, on s'est fait totalement choper. Je sais pas ce qui va se passer. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je sais pas du tout comment ça va, ce qui va se passer et tout. Peut-être qu'on va se faire interroger une fois arrivé au poste. C'est peut-être fort probable. Voilà, ils vont peut-être nous demander qu'on dénonce les complices. Donc là, je vous le dis, dans les complices, bon, je vous dirai dans la cellule pour pas qu'ils entendent. Bref, voilà les amis, on rentre. Ah, ok, on passe par le désert. Bon, c'est vraiment n'importe quoi là. Waouh. Ok, je suis... Bon, là les amis, je suis dans la merde. On est à Moya Warriors, on est mal. Surtout que nos complices ne vont probablement rien avoir. Ok, ils continuent, tac. Bon, on va les... Ils vont... Ok, ouais, on va... Ah, on passe à côté de chez moi. On passe à côté de chez nous, les amis. Donc, là, il y a la maison d'Awari. C'était l'un de nos premiers. Donc, peut-être qu'ils vont nous demander tout le chemin qu'on a parcouru. Bah, vous savez quoi? On va peut-être leur expliquer, mais on va éviter de dénoncer nos amis. Ouais, du coup, les amis, ce qu'on va faire... Ok, y a... Je regarde s'il y a tout le monde qui suit. Je sais pas dans quelle voiture est Awari, les potes. Alors, attends, il est peut-être dans la première. Ouais, il est dans la première. On le voit, il est dans l'uniforme rouge, les amis. Bon, ça continue du coup. On va au poste. Il me semble qu'on va au poste de police. Ça a l'air d'être le chemin. Ou alors peut-être qu'on va aller même peut-être dans un endroit encore. Corde pique sur rien. Je sais pas du tout. Ok, le vous savez vraiment pas conduire vous. Hein. Je vous permets pas de me traiter de cette façon. Tango. Okay. On attend de nouveau là. Waouh. Wow, c'est bien reçu. Ils vont rendre actuellement au commissariat central. Terminé. Vos commissaires, ok, ils parlent au talkie-walkie en plus, les potes. Donc, on va au commissariat. Ah oui, on va au commissariat central. Donc, ouais, grosse intervention du GIGN, les amis. C'était n'importe quoi ce qui vient de se passer là. C'était n'importe quoi. Ok, je voulais partir. Sortez, monsieur. Tac. Allez. Tac. Ah, des lieux très dangereux. Waouh. Allez, go, rentrez. On va peut-être devoir vider nos poches. Tac, monsieur, vous allez vous mettre à droite contre le mur, on va faire une fouille totale. En ligne, s'il vous plaît. On se met tout nu ou pas?
Affirmatif. Ah, ça, on verra ça après. Alors, bon, on vous donne ce qu'on a. Donc, tac, 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 les munitions, hop là, hop là. Les amis, je donne tout ce que j'ai pas envie d'avoir de problème, sachant que là, ça va être compliqué de s'évader. Vu que c'est le GIGN, c'est même pas la police, c'est encore plus... Ok, tu leur donnes tenez, tout. Tenez. Ah oui, t'es armé, toi. Hop, hop, mais non. Ça, c'est juste les armes. Ensuite, on va... C'est quoi, c'est les balles aussi? Ouais, affirmatif, oui. Allez, vous avez l'arsenal chez vous. Oui, ouais, oui, tenez. Okay. Ouais, c'est tout dans mes poches, hein, ça vient écoutez, collègues, je vais appeler le commissaire pour qu'il fasse l'interrogation, je vous laisse avec eux. Ok, ok. Tenez. Ok, bon, c'est bon, t'as fini à Warriz de tout donner Oui, pardon, désolé, j'ai tout terminé, oui. Ok, bon, on fait quoi? On va dans la cellule, on... Bonjour, messieurs. Et alors, j'ai des individus qui sont, pour le moment, là, arrêtés, c'est bien ça, pour le braquage de banque. Oui, monsieur. Ok, alors tac, suivez-moi messieurs, vous avez tout le monde, une par cellule, pardon, alors une personne va entrer dans cette cellule. D'accord, bah de toute façon les cellules... Et l'autre va aller au fond, non, négatif, et l'autre ira dans le fond là-bas. Ok, donc pour l'instant, ok. Il y a quoi qui nous sépare? Parce que là, il n'y a pas trop de murs. Bon, on est dans la même cellule à Warriz, dans la même cellule, je pense qu'ils vont quand même nous interroger à Warriz. Pour Mais on aura le droit à un appel, non, par jour? Ouais, on aura. Attends, j'ai demandé. Okay. Excusez-moi, monsieur. Vous avez le droit de repartir. Oui, je vous Est-ce qu'on aura le droit, on aura le droit à un appel par jour ou pas? Vous aurez le droit à un avocat, un appel par jour, seulement, ça sera tout. Par personne, on est d'accord. De la famille. Par personne, et puis t'as le moi, oui. Bon, okay, je vais parler à Warriz. Ok, bon, les amis, on sait pas du tout. Je pense qu'ils vont quand même nous interroger. Du coup, on va attendre qu'ils nous interrogent. Mais juste avant qu'ils nous interrogent, et ben tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récapituler les complices qui étaient avec nous à Warriz et qu'on ait la même version, ok? Donc, ouais. Normalement, les complices qu'il y avait avec nous, il y avait Twinner, Oximose, ouais. Suka, qui était avec nous. Bon, qu'on. Voilà. Donc, Suka, bah, toi, Twinner, moi. Oximose, moi, toi, nous deux. Bon, nous, on a été chopés, les autres, ils ont pas été chopés. Faut pas qu'on dise la planque des autres. Ok, faut pas qu'on dise que Twinner et Oximose ils sont, tu vois, ils sont, enfin là-bas, oui, ils sont en liberté. Ils sont en liberté. Du coup, ok. On dit qu'ils sont pas avec nous. De toute façon, il y a aucune preuve qu'ils ont fait partie du braquage, parce qu'en en soi, si. Bah non. Il y a les empreintes sur la voiture et la voiture ils l'ont toujours pas trouvée dans le garage. Faudrait justement demain on a l'appel téléphonique. Dans le prochain épisode, on les appelle et on leur dit comme quoi il faut qu'ils aillent chercher la voiture, qu'ils la transportent. Ah ouais. Et par contre, pareil, on dit pas qu'ils étaient là. On dit qu'on était armés, que c'était nous deux qui avons fait le braquage, ok? Ouais. On dit c'est nous deux. Du coup, on avoue tout. Ouais, mais on dit que c'est nous. Mais tu sais quoi? Dans tous les cas, on va pas être transféré encore. Va falloir qu'on fasse appel à quelqu'un dans ces appels-là et qu'on vienne nous évader, ok? Donc peut-être dans le prochain épisode, ils viendront nous évader. Un parking juste derrière. Il y a tout. Ouais, les amis, il y a tout. Monsieur. Oui. Oui. Allez, c'est l'heure d'être interrogé, suivez-moi. Ok. Ah, d'accord. Alors, ok, bon, on va attendre qu'ils nous interrogent. Ok, un par un ou... Ok, un par un. Bon, j'attends ici. Vous êtes arrêté ici, merci. Okay. Bon, les amis, je vais écouter ce que Warriz va dire. J'espère que ça va être assez vite. Comme ça, moi, je vais pouvoir passer et raconter ma version des faits. Ok, on va écouter Warriz. Ok. Donc, du coup... Bon. Alors, monsieur, il est actuellement lundi 4 mars. Vous êtes jugé par les faits suivants qui vous sont refusés. Alors, braquage à main armée d'une banque, prise d'otage et ainsi de tir à plusieurs reprises. Vous avez tiré aussi sur des collègues à nous, hein? Du coup, non, je peux tirer, moi. Si, mais monsieur, ne me prenez pas pour un imbécile, s'il vous plaît. Non, mais moi, j'avais un mur devant moi, ils ont tiré, ça rebondit sur eux, ils sont morts. J'espère que je vous vois d'accord, passer avec prenez mes amis. Pour un imbécile. Ok, bon, alors je vais attendre. Donc, vous avez le droit à un avocat comme une office ou un avocat que vous avez déjà. Est-ce que vous avez bien compris vos droits, messieurs? Oui. Les amis, j'ai ça, je vais passer. Oui, bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux passer avec vous? Alors, à vous? Oui, s'il vous plaît. Attendez, bref, je suis sur mon arrière, monsieur. Prends-le. D'accord. Je vais bien me donner une chaise en plus pour que je puisse... Je m'en charge, je vais lui donner une chaise. Ok, bon. Voilà, vas-y, est-ce que... Allez. Merci. Bon alors, les amis, je vais passer du coup. Du coup, monsieur, qui étaient vos collègues? Est-ce que j'avais des collègues avec vous? Il a gardé le bazooka sur lui. Ok. De quoi, monsieur? Est-ce que j'avais des collègues? Non, il y avait juste lui. Bon, monsieur, si vous montez, vous allez prendre une prison à vie, ce sera ferme. Parce que, monsieur, il y avait un microphone dans la cellule, regardez, il y a une télécommande juste ici. Oui, mais il y avait. Okay, on était du coup, les amis, normalement, on devrait plus les entendre. Il y a le policier qui va m'interroger, du coup. Alors. Oui. Alors, monsieur, je vais noter votre prénom, votre nom. T'as le cadeau.
Alors t'as le cadeau. Ok. D'accord. Non, t'as le cadeau d'eau. Ok. Bon. Les faits qui vous sont reprochés, c'est un braquage avec tir sur nos collègues, bien sûr. Oui, vous avez ça, tiré sur des personnes. C'est oui, ça, oui, en fait. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Faites le malin, ça marche pas avec moi, je vous le dis. Bon, vous risquez plusieurs années de prison, hein, je vais vous le dire. Oui, oui. À moins que vous me donniez, à moins que vous me donniez quelques indices sur l'affaire, bien sûr. Alors, bah, je peux vous expliquer. Alors, on a fait un braquage, moi et mon collègue Awariz, et on a explosé la banque. D'accord. On a tué une personne, donc le d'accord. Vous avez le compris, banquier. Le banquier. Oui. Meurtre au premier degré. Voilà. Ensuite, on est allé se réfugier chez mon ami Awariz. On s'est enfui. Je me suis enfui pendant que lui, il est resté. Et il y a eu une fouille d'un de vos collègues policiers que j'ai tué par la suite. Voilà les amis, dis que je l'ai tué alors que c'est pas moi qui l'ai tué, c'est Twinner et Oximos les amis. Voilà. Assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà, c'est ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on a passé un barrage de police tout à l'heure où il y a eu un affrontement et c'est tout. D'accord, donc confrontation sur personne dépositaire de l'autorité publique. D'accord. Encore une fois. Et après, on allait se réfugier dans une maison qu'on ne connaissait pas. Qui était à moitié abandonné et on s'est fait prendre par le GIGN tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. D'accord. Donc, amis, en tout cas, il m'a pas posé de questions sur où est le butin de la banque, mais bon, ça je vais pas le dire. Faire votre rapport. Je vais dire qu'on l'a pu et tout. Si jamais il me pose de questions. Mon le collègue. Le secrétaire d'État nous appelle. Ok, bon. Restez ici, monsieur, restez ici. Bon, je vous mets dans la cage. Ok, dans la cage. Dans la quoi? Ah, ok. J'ai pas des animaux. Alors, des animaux, ils nous prennent pour des animaux. J'ai bien reçu. Affirmatif, non, pas encore. Donc, je sors pas encore, je cache le bulletin malheureusement. Il est au téléphone. Oui, le téléphone, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va s'occuper de comme il le faut, vous inquiétez pas. Wow. Affirmatif. Voilà. Bonne journée à vous. Oui, je sens plaisir. Soit la peine de mort, on va leur infliger, ou soit la peine de mort. Peine de mort. Mais c'est des... Si on nous parle. On va les traiter bien, hein, vous savez. Très bien, bonne journée. Faut qu'on trouve une solution là. Va falloir qu'on s'échappe de là. T'inquiète. Waouh. Bon, messieurs, on va s'en aller. Vous pouvez prendre service. On va les laisser ici pour aujourd'hui. Ce sera tout pour nous. Bonne journée à vous, messieurs. Alors, il y aura une garde qui pourra vous donner à manger et à boire. Tout ce qu'il vous faudra. Vos lits se trouvent sur votre droite. Bonne journée à vous, à demain. Bonne journée. Avez-vous besoin de croquettes? Mais monsieur, on est des prisonniers et pas des chiens, hein. Oui, désolé, je me suis trompé. Et au pire, vos collègues vont s'occuper de nous. Oh lui, mais lui, on se. Lui, on le boulette à la fin, lui. Et lui, on va. Ok, viens, ouais. Bon, bonne soirée, monsieur, dormez bien. Merci. Et ce bonne soirée à vous, boulette, si on vient. Merci. Sur ces vagues, lui, on le bute, hein. Lui, on le bute, je te le dis. Je te le dis. Je crois que c'était là. Bon. L'agent Tavo, je crois que c'était l'agent Tavo. Les bandes de chiens, les gars, on se cache, bonne journée. Carrément. Bon. Du coup, les amis, je pense qu'on va laisser ça pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire, s'il vous plaît, on est en prison, du coup, il y aura forcément un autre épisode qui va arriver lundi prochain, c'est tous les lundis, les RP Casa des Papel, entre guillemets, voilà. RP braquage, RP Casa des Papel. Voilà, j'espère que nos amis youtubeurs, Oximos et tout, vont venir nous libérer, les amis. J'espère, ça serait super bien. On va voir s'il y a d'autres complices qui pourront venir nous aider pendant ce braquage. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très 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 important. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier et les deux vidéos qui s'afficheront à l'écran tout simplement. La vidéo d'hier, c'était une vidéo avec Souka et les deux vidéos qui s'afficheront à la fin de l'écran, c'est l'épisode 1 et l'épisode 2 de la série Casa des Papel. Sur ce les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez voir la vidéo de la chaîne d'Awariz qui se trouve en description. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Takado et Awariz. Ciao.